Rita Letendre a commencé à peindre dans les années 50, largement inspirée par Paul-Émile Bordua et l'art abstrait gestuel des automatistes. Cependant, à peu près à la même époque, elle a également été attirée par les toiles structurées et hard edge des plasticiens. Letendre a formé son propre style personnel qui a oscillé entre ces deux types d'abstraction opposées, considérant toujours la figuration dans l'art comme une béquille. Ce tableau, Rencontre enflammée, a été peint en 1961, une époque où elle a été fortement influencée par les expressionnistes abstraits de New York, en particulier le travail de Franz Klein. Dramatique et évocatrice, Rencontre enflammée est une toile composée de trois formes organiques noires, empilées verticalement avec des petits coups de pinceau bleu et blanc peints par-dessus. Derrière ces masses noires se trouve un fond saisissant de jaune et de rouge qui suggère des flammes, rappelant le titre de Letendre. Cette palette de couleurs et cette application de peinture sont devenus l'un des styles les plus caractéristiques de Letendre. Et Rencontre enflammée en est une rare exemplaire à une si grande échelle. Les années 60 ont été une décennie de reconnaissance bien méritée pour Letendre. Elle a obtenu le premier prix du concours de la jeune peinture en 1959, et le prix Rodolphe de Repentigny en 1960. En 1961, l'artiste a présenté une exposition solo au Musée des Beaux-Arts de Montréal et a remporté le deuxième prix dans la catégorie peinture au Concours artistique du Québec. Rencontre enflammée a été peinte en 1962 au cours de cette période initiale importante et très productive de sa carrière. Alors que les automatistes et ses affiliés commençaient à abandonner la spontanéité au profit d'une structure plus contrôlée et délibérée, Letendre a choisi de maintenir les coups de pinceau impulsifs et expressifs dans son travail. Letendre a conservé une palette assez cohérente de couleurs dramatiques, souvent avec des grandes masses de noir, jusqu'au milieu des années 60, lorsqu'elle a repris un virage décisif vers les compositions géométriques. Rencontre enflammée de Rita Letendre sera présentée aux enchères avec Carly Abbott lors de la vente en direct d'art canadien et d'art international exceptionnel qui aura lieu le 8 juin.